45 Founa, Ngobila Mbaka Gentil, HPA, fraude, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des Belges. 46 Founa, Tchomba Kundu Colette, FPAI, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des Belges. 47 Founa, Sungi Pouloulou Cerveau Pichu, AABC, fraude, corruption et détention illégale des Belges. Jatini Ngobila, annulation, ya candidature na ya députation. Bande kona koleta chomba, ba o nyo sumoni awa, ba tu oyo ba annulé, ba voa na bango, bande kona bi ba sali fraude, ba tu oyo ba sali, ba mi donan corps et âme. Bande ko isali pasi pe mawa, ya kumona bande ko oyo, ba bundaki, ba sala kinyoso, ba se donaki, melelo oyo ba zali libanda, ba simbi moutou na boko. Boyoka ba audio yes. Ça ce sont des comptes à rendre. Ba ko rendre biso ba compte avec beaucoup d'injustice oyo ba sali. Nga na zo na bana ACP nyonso. Biso nyonso lobby na tongo soit pas autorité morale na résidence to tondi si quartier wana nyonso plein soit toke na parti ku tout toke ka na résidence to dernier mois agir demain parce que Peter Kaza dit. Il a été à Lemba ici, moi je suis à Lemba. Peter Kaza d'ailleurs qui a sorti Bamagui. Nani Kabouya, même. Les machines qu'on est en train de citer avec Charles Azoki, Charles Sakiboy. Mais Nani a ramené ma machine, voilà, c'était Peter Kaza, Nani Kabouya. Avec quelle qualité? Kabouya a dit la qualité Nini. Ce sont des comptes à rendre qu'on a fait donner à l'ACP. Et si vous restez silencieux, vous allez valer bilan ou soit invalider le stock vendre pour toi. Ton coup fait de vivre à peine bleu, on n'a pas monté. Ok? Je veux vraiment que ceux qui vraiment tout ça va notre vanni to l'ingé ngobila, que tout le monde se lève, se mette debout. Moutounion so à téléma, s'il vous plaît, va très sérieux. Moutounion so à téléma. Tout là qui s'acquiert. Congo est content la sous-boyété. Les injustices doivent prendre fin. Ce qui va tenir à qui bango, tenez tous à la moins apaisé. Et puis, si vous regardez, à 85%, ils ont des petits secrets. Ils ont des petits secrets. Donc, alors, si on a du silence, ma flatterie, tu as besoin de flatterie. Les mêmes voix qu'on est en train de dire, ils ont boycotté, ils ont fait ceci. Ce sont les mêmes voix qui ont voté aussi les chefs de l'État. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand cela ne tient, revenons dans le bon sens à Golobake. Tosa contre dénonciation, contre action et salamiba, contre rendre. Oh, bah, non, ça n'a pas parce que c'est le meilleur, mis la meilleure ligue réelle. Et lui, n'a qu'à ta ville à Kishasa, n'a qu'à ta guerre Congo, mon bimba, ma province, aux autres, n'a qu'à ti, yango, mon thème, ma belle et coti. Ma cassera ne tienne, nous devons faire une action, pas mon aketo, boye l'oro basali. Vraiment, sincèrement, on est très, trop mal parti, très indigné. Nous qui venons avec notre amour propre, avec nos moyens, ton libre moutou, parce qu'on sait la mokonda moka. Injustice, ça pourrait être ça, mais nous ne personne, jamais. Alors, si vous avez bien lu, on sensibilise davantage les organes de justice, les cours des tribunaux en général. La Cour constitutionnelle, la Cour de, en particulier. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des flagrances du point de vue violation du cadre légal, il y a flagrances du point de vue violation de l'administration électorale qui ont facilité les irrégularités, il faudrait quelque part que justice soit faite. Donc c'est tout à fait normal que tout soit réglé dans un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas un bon règlement de toutes ces questions dans le cadre légal, ça pourrait amener de trouver une solution dans un cadre politique. Mais les évêques sont pour la légalité d'abord. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à des différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte
politiques qui n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si en dehors de ces PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'elles ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau du bureau de vote? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, ça devient difficile d'apporter de preuves. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs qui vivent chacun chez lui sont comme tous les Congolais témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ce processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid, nous sommes dans l'objectivité, dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous. C'est bien ma brigade, mais on a vraiment déçu le comportement à... Il y a ex-patron à Bissot. On a tout le monde à. Ils ont passé mine la musique à Bissot. Ils ont vraiment passé. Mais dans ce moment avec force. Il y a des gens qui sont faibles. Mais dans ça, la même chose qui les comprennent ma cambo. Et dans le bien, les sources. Où est-ce qu'il y a un homme qui a monté ça? Pour lire un mot facilement. Dans le bâtiment, on a mal au bas. Et surtout, toujours, on a un geste. Pour ça, pour qu'il ne fasse pas son truc. Merci. We'll be right back.
Thank you.